Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Nodéron et on se retrouve ce soir pour un let's play, une redécouverte d'un jeu légendaire, un jeu mythique qu'on pouvait jouer à une époque, il y a plus de 10 ans de ça. Vous l'aurez remarqué au nom, il s'agit de Half-Life. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. Là, ça s'appelle Black Mesa, mais c'est un remaster à la sauce Half-Life 2 Et pour l'anecdote, à la base, c'était un mode de jeu. Black Mesa était un mode de jeu de Half-Life 2. En gros, les fans avaient récupéré, grâce au moteur graphique de Half-Life 2, qui était distribué gratuitement par Steam, 105. C'était le SDK, je crois, c'est Steam Data, je sais plus quoi, source, enfin bref. Et avec ce moteur, on pouvait faire énormément de jeux. Il y a énormément eu de jeux basés sur le moteur graphique de Half-Life 2. Et du coup, il y a eu des fans qui se sont dit, mais et si on refaisait le premier jeu sauce Half-Life 2 avec le moteur graphique actuel? Et ils s'y sont mis, ça a eu énormément de temps depuis qu'ils ont eu l'idée. Ça a été stoppé, puis recommencé. Il y a eu un tel engouement sur ce mode que même les développeurs de Valve, les développeurs de Half-Life, ont soutenu le projet. Il est d'abord sorti en gratuit en VO, c'était un peu en quelque sorte un accès anticipé, une bêta, sur la plateforme d'Ezura. Ezura qui est une plateforme en fait qui regroupe des jeux indépendants en fait, gratuit ou payant, et à cette époque il était disponible gratuitement sur cette plateforme. Puis, je crois que ça doit faire 3-4 ans maintenant, il a été porté directement sur Steam en payant, bien entendu. Bon, à la base c'était un projet, mais voilà quoi. Le temps supporter le truc, devenu payant, pas trop cher. Et vous l'avez carrément intégré à Steam avec des succès, avec un workshop, la totale et un mode multijoueur. Et on a la localisation en français. Bon, au niveau sous-titres, hein, mais le premier jeu était entièrement en français. Et bon, celui-là, il est juste en sous-titré. Bon. Franchement, c'est pas trop grave vu les dialogues qu'il y a dans tout le jeu. Mais l'ambiance est toujours là. Donc oui, effectivement, étant donné que c'est du Half-Life 2, au niveau du moteur, c'est normal que graphiquement, c'est pas ouf. Ça a vieilli, c'est ce qu'il y a, mais comparé au tout premier, spécial dédicace d'ailleurs à Mr. Tonios qui a joué au premier il y a quelques années de ça. Et là, je pense qu'en voyant celui-là, je pense qu'il va peut-être se laisser tenter pour avoir joué au premier avec des giclées de sang comme le premier Counter-Strike. Parce que Counter-Strike, le tout premier, avant le Source même, c'est sorti en même temps. Il y avait un package, vous aviez le premier Half-Life. Half-Life Opposing Force qui est une, on va dire, une extension, mais stand-alone. C'est-à-dire que c'est pas une extension, on n'a pas besoin du premier jeu pour y jouer, mais c'est la suite directe du premier Half-Life. En fait, le premier Half-Life, il était en quelque sorte en trois parties, comme Half-Life 2. Vous aviez Half-Life, Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift. Donc le premier Half-Life, c'est celui qu'on est en train de faire, c'est Gordon Freeman, donc c'est incarné Gordon Freeman, le scientifique, qui va essayer de se dépêtrer du merdier qui va lui arriver sur la tête, là, dans pas longtemps. Après, vous avez Opposing Force, c'est-à-dire les forces opposées au scientifique actuel, parce qu'il va se passer quelque chose et on va avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, de l'équipe adverse, entre guillemets. Et vous aviez Half-Life Blue Shift, qui est en fait, vous prenez la place d'un agent de sécurité et de Black Mesa. Voilà. Et à côté, vous aviez
Counter-Strike, que vous connaissez tous. À cette époque, bon bah, graphiquement, c'était un peu tout pété, c'était un peu carré. On approchait des formes un peu arrondies maintenant, hein, attention. Mais les giclées de sang, bah, c'était des pixels carrés qui sautaient dans tous les sens. Ceux qui ont connu les premiers Half-Life, les premiers Counter-Strike, où vous aviez pas de bottes, où vous deviez prendre des bottes avec un Wallach qui était hardcore pour vous entraîner en multi. Pour ceux qui n'avaient pas encore internet d'ailleurs, ce qu'on faisait, c'est que, étant donné que Counter-Strike était un jeu essentiellement multijoueur, il n'y avait pas de bots, contrairement à une règle tournement de l'époque, c'est à peu près à la même époque si vous voyez un peu. Et bien, on avait dans des CD que vous pouviez trouver dans les marchands de journaux, hein, si vous connaissez, genre Gen 4, PC Gaming, PC Gamer, je sais plus, Game PC, quelque chose comme ça. Vous aviez deux CD, vous aviez un CD avec un jeu complet, un vieux jeu complet, et à côté vous aviez un CD avec des démos et des petites pages, des petits trucs, des petites bidouilles. Et c'était en fait, quand on n'avait pas internet, c'était notre source en fait pour avoir des mods, des patchs et autres trucs du même genre. Par exemple, à l'époque, quand un jeu sortait et qu'il était buggé, et ben il y avait des petits gars, soit c'était les développeurs du jeu en lui-même, soit c'était des fans qui s'amusaient à patcher les jeux pour enlever des bugs ou à modder ou à rajouter des petites bidouilles, enfin ce qu'on a aujourd'hui en mode. On les trouvait chez les changements sur les CD. Et on arrivait, tout ça pour revenir qu'en fait sur un des CD, j'avais retrouvé une appli qui rajoutait des bots sur Counter-Strike. Ah, c'était trop bien. Donc toi qui n'avais jamais joué au jeu ou alors qui lançait le jeu et t'étais tout seul à te balader sur la map, tu pouvais jouer enfin avec des adversaires. Donc tu jouais à Counter-Strike avec des bots. Mais ces bots étaient très spéciaux. Parce que c'est des bots cheaters. Ils avaient un Wallach, ils avaient un IMBot, enfin bref, tout ça. Ils te visaient direct à la tête et ils arrivaient à te repérer direct. Voilà. Voilà, petite anecdote pour resituer un peu l'époque du jeu. Et là, on va pouvoir redécouvrir, on va dire, un jeu de. Pas de mon enfance, on va dire de mon adolescence. Un jeu que je vais sécher et d'une force. Morning, Mr. Freeman. Je me suis cassé les dents dessus aussi. Looks like you're running late. You know, Barney's been pretty scarce around these parts. Guess his bar tab must have finally caught up with him. Put some pep in that step, Freeman. You're late enough as it is. Ouais, d'accord. Aw, man, you cut the ponytail. Sell out. J'ai du mal à croire Gordon Freeman avec une queue de cheval. We had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were also having some problems down in the test chamber, too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you'd gotten to your hazard suit. Okay. Il y a plein d'easter eggs, il y a plein de petits détails amusants morning, à trouver ici. Dr. Freeman, earlier, but the thermal protection system seems to be online now. Those TPS reports have gotten progressively worse. Hard to find good help these days. Yes, about that. We're going to need you to come in this weekend. What? I've already made plans. Don't worry.
You can always attend the next convention. On a besoin de toi ce week-end, vas-y viens bosser. Putain, le seum. Là il a dit merde en fait. We can talk later, Gordon. Ouais. Ça va pas l'air. You're living in the past. That experiment is single-handedly responsible for inspiring my career in science. How much recognition do you think you're going to get for reproduction, though? You should focus on inventing something new and unique. He does have a point. Oh, but this is more than a replication, I assure you. For one, it shows how far our field has come since the original study was published, and to say nothing of the modern perspective necessary to monitor its influence. I mean, combined with today's technology, I've recreated... Bah! I can't stand to hear another word of this malarkey. Don't mind him. Maintenance member. Here's something to think about for the next time. Please contact you human resources. Air sacs are absolutely full of it. Creativity is the art of hiding your influence. Now let's get back to work. We should at least try to look busy. Et dire que c'est les fans qu'on fait une grosse partie. Il y avait des voix, mais... Hold it right there, Mr. Freeman. I got explicit orders not to let you through without your hazard suit on. Bah, allez, tu m'ouvres. Ah, il veut que... Ah oui, il faut que j'aille prendre ma... Ma combi avant. Allons-nous changer ? Par là, je crois. C'est ça. Morning, champ. Salut. Hello. Regardez-les bien, vous ne pourrez pas les voir longtemps. Et ouais, ça c'est mon placard, ma gueule. Wow, trop bon. Avec la musique de l'époque et tout. Si, si. Ah, ça rappelle des souvenirs. Ah, I remember my days in the hazardous environment suit. Un nostalgique. Ouais, moi aussi je m'en rappelle. All displacement modulators were... Ça monte à 15 ans. J'étais un petit gamin à l'époque. Ouais, c'est ça, un petit gamin. Go right on through, sir. Je devais avoir 15-16 ans, je crois que like c'est peut-être même un peu moins. Hello, old chum. Ah, tout admiré. Oh, le mec. Grâce au descenseur de la mort. Fluctuation. It's nothing to worry about. Si tu le dis, on
est parti. We should harness the remaining photonic energy to ensure resonance control. Double check the Brewster's plate's angles and make sure the superluminescent diodes are. What's up, Doc? Salut. Are you sure you checked the Egon attenuators? Gordon? Salut. Ah, Gordon, there you are. Nice of Why? You to finally join us, ça. Doctor. We've just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of a gamble, but we needed the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. Mm. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. Right. Come on then, I'll walk you down. Ils sont combien? Eli has been busy making last minute preparations for the new experiment. Ah. Greetings, Eli. Morning, Izzy. I trust this morning finds you well. Gordon, good morning. I'm glad you're here. Salut, Poto. These last minute changes. They're a bit strange to just. Oh! It's about to go critical. What in the blazes is going on with our equipment? It was never meant to do this in the first place. Ah bah non, non. Je pense que non. It's nothing we can't handle ourselves, Eli. Ouais. Run along, Gordon. We'll be but a moment. Ok, on est parti. Hop. On va se mettre bien. By Becquerel's ghost! The radiation level is off the charts. You know, this is far from the glory I had envisioned as an underground. Freeman? Oh, there you are. Everybody's been looking for you, hombre. Ah, here he is. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedure today, Gordon. Yes, yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. Now, as long as we follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that. Although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. I just don't feel... Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let him in now. Il serait temps. Bon blabla. Ok, c'est parti, le début des emmerdes. Hey. On fait quoi, lui? Tout semble en ordre, ok. All right, Gordon, your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Okay. Phase arrays.
It's probably not a problem. Probably. But I'm showing a small discrepancy in... Well, no. It's well within acceptable bounds here. Sustaining sequence. We've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you at any moment. Look to the delivery system for your specimen. Standard insertion or non-standard specimen. Début des emmerdes. Ah, vous la reconnaissez? Ah, bordel. Ce qui est bien maintenant, c'est que... Étant donné qu'il a été refait, il y a des mécaniques de jeu qu'il y a dans le 2 qui n'avaient pas dans le 1. Donc je me demande comment ils vont implémenter les actions dans le jeu. Quoi. La torche, elle est toujours là. Bah voilà, ça par exemple, on pouvait pas le faire dans le premier, ça a été implémenté dans le 2. Du coup c'est plutôt fun. Avant là je crois qu'il y avait des caisses, là il y avait gommé, ou alors c'était des vitres, je sais plus. I never thought I'd see a resonance cascade, let alone create one. By Schrodinger's cat, he's alive. Gordon! Thank God for that hazard suit. All the phones are out. I can't reach anyone in the facility. We need to get to the surface and let someone know that we're stranded down here. There's okay. No telling what kind of danger is Lui c'est TP là, tranquille. Eh mais ça va devenir son pote, comme dans le 2. Vous vous en souvenez? Enfin je crois. Enfin j'ai pas spoil. Désolé. Oula. Ah, je me souviens de ces enfoirés.
pas vous souvenez, Left 4 Dead, avant que ça devienne Left 4 Dead, c'était aussi un mode de jeu. Un mode de jeu Counter-Strike source. Et il y avait un mode Counter-Strike source, en fait, c'était le mode zombie. Un peu comme Call of, en fait, mais autrement. Et vous aviez ces zombies-là qui popaient et qui venaient vous attaquer. On devait se planquer dans des recoins et dégommer les vagues, comme dans Left 4 Dead, en fait. Le but, c'était de survivre. Il a pop ici, lui. Ouais, par exemple. Ouais. Crève. Toi, t'es mal barré. Ah. Désolé. Allez, hop là. Je l'ai pas fait pourtant, hein, mais il y a des mécaniques, c'est les mêmes. Ça sent pas bon, ça. Ils doivent mourir pour que je puisse passer, quoi. Lol. C'est triste. Salut, mon pote. Gordon, man, am I glad to see you. What the hell are these things, man? And why are they wearing science team uniforms? Okay, why not? Allez, viens avec moi. On s'arrache. Vas-y, dégomme-les, dégomme-les, dégomme-les. Il y a lui là, vas-y, dégomme-les. Tiens, il est encore vivant là, il est encore là. Dégomme-le, dégomme-le. Est-ce que ces saloperies en fait, faut leur tirer dans la tête parce que sinon le machin il se décroche et il vient vous attaquer. Allez, on passe à autre chose. Pick-up flare. C'est cool. Jesus, this place is in bad shape. Intéressant. Ah, putain, il m'a fait peur en forêt. Forêt de merde. J'ai même pas calculé. Lol. Ah, c'est ça, c'est bon. Ouais, comme tu dis. Aïe, ça picote. Non, là. Elle est crame. Ça, c'est fait. On va peut-être aller voir là-bas s'il n'y a pas du matos. Don't let him get near you. Dans la tête, blaireau. Bullseye. Lol. Good God. Bonnette. Ça me rappelle les Gremlins.
Ouais, bien sûr, français. Dégomme-le, t'attends quoi? Allez! Ouais. Je crois. Ah. Des munitions. Ah, sorry, man. On est parti. Ah, Freeman, c'est le casier de Freeman, ça. Ah, il avait tout prévu. Hein. On peut voir. Ok. Ah oui, je sais qu'on est déjà passé par ici. Il est con. Dégomme-les, qu'est-ce que t'attends, blaireau? Et il fait quoi? Il veut crever? Ah oui. Putain. Poor death. Boy. Let's see how you like this. Got another one. Il est encore vivant, lui, c'est un truc de ouf. That would look nice in my throat. I think I just got a promotion. Allez, okay. Okay, I'm gonna try to call for help. You gotta get to the admin office upstairs. There's got to be somebody there who can fix this. Come in, anybody. This is Sector C, Anomalous Materials. We have... Ah! En foi? Ça, c'est un blue shift qui tombe. Je vais essayer de m'en débarrasser. Il va me sauter dessus et... j'ai esquivé. Ah, raté. Hop là. Vol. Allez, encore, attendez. Ouais, que dalle. Is anybody reading me? Bon courage, moi je me casse. C'est comme dans mes souvenirs, c'est un truc de dingue. Un certain détail près. Ah, la voilà. Salut. Crèce, saloperie. Coucou, c'est moi. Pas mal le coup de l'écran. Lol, il a bugué devant un blue screen.
Tiens, ça, ça a été implémenté dans le 2 aussi. Intéressant. Ah, on a oublié d'aller zioter à droite à gauche. Des fois, on peut croiser le G-Man. Pour ceux qui connaissent Half-Life 2. Le G-Man, c'est un mec en habillé en costume. Un gars mystérieux. Il apparaît, il disparaît, on sait pas comment. Allez hop. Ça c'est bon ça. Il y en a que deux ou non plus? Il va y en avoir que deux. Hop, on s'arrache. On va éviter. Alors, j'ai pas trop de choix. Ouais, je m'en souviens encore bien en fait. Je fasse gaffe, il y a du Vistlar par ici. Genre là-dessous, là, il peut y en avoir qui passe par là. Oh! T'es comme ça, toi. Ah, bâtard. Y'en a un derrière. J'entends, il... Y'a un cochon d'armes derrière. Y'en a un crabe de tête. Ouf. Ouais, pourquoi pas. Oh. Ok. Mais si. Lol. Coucou. Oh non, pas ça. Ah, je les aime pas, eux. Ah, vous les connaissez, hein? Ah, pique les enfoirés! C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Ça fait perdre un peu. Ah, le G-Man il vient de passer! Il est toujours à des endroits. Oh non, pas lui, pas lui. Au. Oh. Crève. Ça pique. J'ai toujours pas de gun. C'est juste une zone pour récupérer. Je crois que je peux passer par là. Allons quand même zioter s'il n'y a pas les petits trucs. Oh, crève! Faut savoir faire du baseball par ici. Allons voir quand même de l'autre côté si je voulais pas passer. Juste au cas où, pour rien rater. Non, ça va pas passer.
Rien. Ok. Saloperie. Limite, c'est plus efficace à la barre à mine. Tu récupères un peu de vie de temps en temps. Pour y, rien que pour y économiser les balles. Pas l'intérêt, mais je suis tombé dessus. Oh, salut, toi. Thank God. Listen, I know where you can find some more weaponry. There's a security office not far from here. Take me with you, and I'll unlock the door. Ok, amène-toi. I'm following you, Freeman. Où est-ce qu'elle est la fameuse porte? Là-bas, je suppose. Vas-y, ouvre-moi la porte. C'est clair. Et toi, tu vas rester planqué là, je suppose. Well, at any rate, over there's the weapons I spoke of. Aïe. Ah, ça c'est pas mal. Hein. Des greux. On va rester là-dessus pour voir. What? Ah ouais, d'accord. C'est hyper sensible. I've had my fill of excitement today. To stay if you want. Ouais, reste planqué là, c'est très bien. I believe this will make for a notable paper, don't you? Pense qu'à ça, n'importe quoi. Voilà. Si je te crève là d'ici, ça le fait pas, tu vois. Viser le mec. Et voilà. Il m'énerve, je pouvais plus l'entendre. En plus, ça me permet aussi de voir un peu si ça commence à tirer bien. Ok. Ah ouais, d'accord. C'est en mode décongélation pour passer. Je vois, je vois. Ça caille toujours. Quatre balles quand même pour les fumer. Hein. Merde. Sérieux, deux balles. Ah non, mais c'est moins efficace que les. Que la barre à mine. Ah. Foire une merde. Non, ça descend une vitesse les balles. Oh.
Oh, oh, ça, ça fait du plus ça. Merci. Ça, ça fait plaisir. À la niche. Gordon, is that you? Is it safe? Ah. Ah. Oh. Tu peux sortir. Oh, I do believe I soiled myself. Ouais, je t'en veux pas. On t'en veut pas. Ok. D'où je viens, je suppose. Ouais. Okay, par là. Non, par là. Bon. Oh. Pourquoi les aiguilles comme ça? C'est là d'où je viens, je suppose. Non, même pas. De l'autre côté, il y avait quoi? On va essayer d'avoir là-dessus. Non. Mieux comme ça. Clairement. Oh. D'accord, je vois. Ok. Ah. Même les trousses de soins sont mieux foutues. Ça fait une genre de sacoche. Ça c'est fun. Là ça pue du cul ça. Ah oui, il y a un truc chelou. Ah bah tiens. Quoi, je m'en doutais. Sans le monstre qui pop là. Ah bah tiens. Crève. Toi, tu m'auras pas fait chier. Pas de sécurité, ça c'est tout flingué. Ok. Non, c'est ce que je vais pas descendre maintenant. Et oui, je m'en souviens de ce niveau d'ailleurs. Je vais d'abord aller là-haut.
C'est flippant. Je pense que là, je vais arriver dans la salle de sécu, je pense. Bah tiens. Ouch. Ah, des munitions, ça c'est frais. Encore à l'époque de la VHS, hein. Mais non. Et je sors comment du coup maintenant que je suis Keblo? Putain. Eh merde. Je fais comment maintenant? Oh, je me suis Keblo tout seul. LOL. Ah bah non. Voilà. Ah oui, de toute façon, il fallait activer l'ascenseur. J'étais obligé de passer par là de toute manière. Hop là. Là, je vais faire gaffe, il va y avoir de la bestiole. Ah bah là. Ah, ça descend encore, allez, enfoiré. Waouh. Ils m'ont tout flingué. Ok. Ok, ok. Ça règle le problème. C'était un chien, ça. Hop là. Là, il va y avoir le G-Man qui a dû passer par là. Pour me snober bien comme il faut. Là-bas, on peut plus passer. Comment on fait? Ce serait pas par là-bas. Je peux déjà aller voir là. Si, je crois que je suis déjà allé voir. Ouais, Y a-t-il un petit passage? Ah, il veut pas. Je crois qu'il faut que je coupe le la flotte pour pouvoir passer par la porte. Non, il n'y a rien là. Ah oui.
Oh, c'est Whistler, hein, j'avais oublié. Bonne grosse phase de plateforme. Faut même tu sais à l'ancienne, si si. Voilà. Faut faire gaffe là-dedans, on peut aussi croiser des crabes de tête. Soit je descends par là, soit je descends par là. Lol. Enfoiré de merde. Je l'ai eu. Ouais, c'était déjà mort. Bon, c'est pas grave. Aïma, ça pique. C'est par là, ok. Il faut que je descende par ici. Ok. Il fait plus casse-couille, je pense. Je devrais être peinard pour passer. Ah, est-ce qu'il n'y a pas les trucs en dessous là? Du matos, n'importe. Là, il n'y a que dalle. Ah, là, il y a de quoi soigner. Évidemment, je peux plus remonter là. Si, non, si, non, non. Là, je peux remonter, non plus. Foiré. Yeah, du soin. C'est ça que c'est bon. Ah. Et on retrouve de l'autre côté. Ah, saloperie.
pète des fois parce que je pète ces caisses parce que des fois il y a du matos, il y a des trucs de soins ou de d'armure ou des munitions donc. Actuellement il n'y a que dalle. C'est pas systématique mais on sait jamais. J'aime pas ça. Même la musique elle est chelou. Sauter de caisse en caisse, tu vas voir. Ah. Bah tiens. Pourquoi je le savais? Je m'en doutais, ça y est. Oh, par contre, je vais faire une petite sauvegarde. Une petite sauvegarde. Si je me vautre, j'ai pas envie de tout recommencer. Des putains de bons, ça va. Je dois aller là-bas. Ah, c'est flippant. Waouh. Eh ben, je pensais pas que j'y arriverais du premier coup. Oh putain, ça veut. Crève. Quand je vais être à court de munitions, cette lasermier. Et je tourne en rond, c'est quoi le bail? Fous de ma gueule? Ah non. Je suis de l'autre côté en fait. Je viens de là-bas et je suis ici. Ok. Soin, j'aurais pu faire tout péter, mais dans le doute, allez, on se casse. Ah, ouais, la torche, j'avais pas fait gaffe, mais on est limité. Avant, la torche, il y avait les piles et ça s'éteignait, et il fallait attendre que ça se recharge. Ok. C'est lol. Hello? Salut. Who's there? Non. Oh là là. Ouais, cache-toi derrière une caisse, ça vaut mieux. J'ai fait le tour mec, je viens te chercher, t'inquiète. Pour aller où je sais pas, mais... Reste planqué. Lol. Ah, oh, il a craché les boyaux.
Oh, c'est dégueulasse. On va éviter de se prendre du jus là. Ici. Non, attends, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Je vais de l'autre côté. Sauver le bot. Salut copain, je viens de sauver. Rêve, saloperie. Il y en a un autre. Oh, Gordon. If I had known it was you, I would have let you in. Everybody's heading for the surface, but I think they're crazy. If we stay put, someone is bound to come and rescue us. Right? Non, je crois pas. Je crois plutôt qu'ils vont venir pour dégommer tout le truc pour éviter que l'anomalie se propage. Que les aliens la débarquent à d'autres endroits. Je pense que ce sera plutôt ça. J'aurais peut-être. Ah bah si. Ici, ah, sinon je veux pas passer. Voilà. Et dans le noir, mais bon. Ça pique. Courir pour le curé. Une équipe militaire est envoyée sur place pour fournir de l'assistance. Assurez-vous d'avoir moins d'urgence, de nourriture, d'eau à portée. Aussi une trousse de premiers soins, une lampe de poche, des piles, de recharge. Ouais. Suivi l'itinéraire d'évacuation locale ont été marqués par les autorités locales. Pour réduire la congestion des routes, n'utilisez pas les véhicules. Ne restez pas dans les zones d'évacuation jusqu'à le nouvel ordre. Si. Ouais. Ouais, ça sent pas bon. Non, en faisant le tour peut-être. Je sais pas. Non, je peux pas. Ah. Oh. Ça pue ça. Crève. Tu es là toi? Ah, je peux passer. Ok. T'inquiète, je vais venir te fumer la race. Crève. Putain, 69. J'aime bien le chiffre là, mais quand même. Ah, des munitions. Hop. Ouais, c'est Whistler, comment ils arrivent, hein. On va recharger le bousin. Voilà.
déjà passé par là. Après, ici. Wesh. Quoi le bail? Hein? Connard! Minor lacerations detected. Mais non. Il a fait un coup critique. Je sais pas pourquoi ça pue du cul. Putain, mais il est blindé, lui. Sérieusement? Ah. Pas passé? Pas encore. Dors. Pionce, mon pote, pionce. Enfin. Ah, tu les entends pas venir, hein. Fais flipper, ce bâtard. Blue screen. Porte de tête. Hey, hey, over here. I need your help. Ouais, je sens pas des masses. One of these little buggers latched onto my buddy's head. We gotta get that thing off before. Non, non, non. Par quoi? Hey, good news. Help just arrived. Non. Hey, what the hell? Get off of me! Thanks. I owe you one. Here, let me get this open. I got some supplies in the back. If you want, go take a look-see. See what you can carry. Faut du matos. Any chance you can spare some morphine? Pas de matos ici. Y'a que dalle. Waouh, il est tout noir. Tiens, couché. Ah ah. Ah oui. Ah, ça c'est beau ça. Sauf que ça, je vais garder ces balles là pour des trucs bien bourrins. Et je vais garder ce petit flingue de merde. Mon avis, pour que je puisse récupérer ça, c'est qu'il va y avoir du lourd. Alors, je pense. Et je vais où maintenant? Faudrait que je puisse descendre. Ah, oh. Tiens, touché. Touché. C'est pour eux en fait. Par contre là, il va falloir que je trouve quelque chose là, parce que je suis à 33%, ça va pas faire, ça va pas le faire du tout. Pas du matos là quelque part. Allez. Ah, déjà ça. Où est-ce qu'on en est? Feu! Feu! Ouais. Power 15%. 50%. Armor 50%. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on va. Il y a que dalle là.
fais quoi là? Je me touche? Sérieux? Bon, je vais peut-être rater un truc de l'autre côté. Pas un truc caché derrière là? Non, là je suis déjà passé par là. Hop là. Là je crois que c'était une excuse pour tester le flingue en fait, l'assaut là. Ça one shot sa race. On va aller voir. Ah, beau ça. C'est le copain. Don't worry, sir, I'll keep you covered. Sorry. Elle me suit, c'est cool. Là j'en reviens, il n'y a que dalle. Allez viens poteau, on s'arrache. Où je l'amène, il y a forcément un truc de sécurité qui doit ouvrir. Il y a des chances. Au cas où. Yeah. We should probably get going now. Ça sent le... les monstres qui vont apparaître là de nulle part. Putain, y'a que dalle par là. Well, so much for wishful thinking. Alright, you scout on up ahead. I'll secure this area. If you can't make it back around, don't sweat. Just keep going. You know where to find me. I'll secure this area. Ok, sécurise cette zone. Pas de problème. Est-ce que j'ai déjà fait le tour en... Ah, mais oui. Mais clé. D'accord. En fait, ah bah si. C'est mieux ça. Ah voilà l'endroit. Toc. Toc, c'est bon. Ta gueule. What the fuck? Saloperie de merde. What the fuck? Ah! Comment qu'on fait? Je passe le tour en fait, je suppose. Ah, faut que je monte à l'étage et je désactive le truc. Ah, je vois que ça après, hein. Salut, toi. I heard screams up ahead. You first. Toi d'abord. Oh, quel enfoiré. Watch your head, Doc. Give him hell, Doc. Ah, ils sont là. Ils sont bloqués là-dedans. Excuse me. Ok, ok. Ok, ok. Hello. Hello. Not good. J'ai pas eu le temps. Désolé, chérie. Oh shit! That thing tore them to pieces. I don't think we should stick around. Sérieux?
Putain, je leur mets 4 balles là. La violence. Ouais, c'était bien ici qu'ils popaient. Je m'en doutais qu'il y avait un endroit où vous allez popper. Comme dans le premier là. Je m'en souviens, ils ont bien fait le truc. Comme dans mes souvenirs. Ou presque. Any idea of how many of our crew have died? Encore un endroit où passer là, mais. Here, let me get out of your way. Ah! Eve! Eve! Crève! Might be time to reload, Doc. Ah, c'est cool. Let me get out of your way, Doc. One down and hell if I know how many left. Here comes more of those things. Good shot, Doc. Wow. Ah ouais, il en a repéré un là. Bien mec, bien. Bien mon pote. Bien. Oh, pardon me, Doc. Là à mon avis. Putain, comme ça. Ah parfait. Stay back. Take her. It's not my time. Don't worry, he's human. If you're trying to escape, I'm coming with you. I'm not so sure we should go to the surface. What if the world finds out what we're doing down here? Suit yourself, Clifford. All right, which way out of here? Déjà les soins de soigner, tu veux? Man, how cool is this? Sorry. Bon allez, on se casse d'ici. Par où, par contre? Il fait quoi l'autre? I have no interest in following you to your death. Ok, bon bah reste là, écoute, il crève. Par contre, nous, faut qu'on fasse gaffe. Par sorry, on Doc. Passe. Je crois qu'il faut que je passe par là, moi. Pour aller leur ouvrir de l'autre côté. Are we lost? Mais non. Pourquoi tu me prends? You can't be serious. Ah, et pas des masses le choix, hein. What? Pardon me. Squash that little bastard. Et où cette pute? Bouge. Juste au-dessus, l'enfoiré. Pourquoi je peux pas monter là? Sérieux? More buggers. Ça, je crois. Hein. Et bim. Ouais, on va dire que je passe par là. Je vais leur ouvrir une porte. Enfin, je pense que c'est ça en fait. Ouais, il y a des chances que ce soit ça. Hein? Ok. Non, c'est pas par là. Je veux rentrer. Je vais aller revoir mes potes. Mais je suis sûr que je suis obligé de passer par là en plus.
access the mail server? There are more important things to be thinking about right now. Que bleu ici, allez, barrez-vous. Ah, il m'empêche de passer en fait. J'ai plus le droit de passer par là, d'accord. Par contre, j'aimerais bien monter. How is the debugging procedure coming along? Bon, merci. Je passe derrière les portes coup de feu pour aller les ouvrir. Ok. Ok. Oh! Je passe par où? Salut. Wesh. Allez. Bande de merde. Bien tenté. Je t'ai niqué normalement. Pourquoi je peux passer hein? C'est lui qui me gêne. Couché. Voilà la sortie. Utiliser l'ascenseur pour aller chercher les autres. Non, je peux pas. Là, je voulais aller le chercher, mais. Ouais. De merde, j'aurais dû tirer là-dedans, je suis trop con. Chaque fois j'hésite. Ça m'aurait grave économisé les munitions. Il faut pas que je passe par là aussi. Tiens. Vous allez mourir dans pas longtemps. Donne-moi du matos. Sérieusement. Ah. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça. Hey, what are you still doing down here? Get topside. Your troops are coming in to save us. J'en suis pas certain. Peut-être d'abord aller chercher les autres là. Il se passe quoi là-dessous? Wow. Moi c'est ça non? Moi je pense. Sinon je peux pas passer. On va savoir.
Okay. Have we been here before? Viens, suis-moi, toi. Get on your game face, Doc. Okay. T'as intérêt à avoir une arme avec toi, parce que je vais pas te faire tout le taf tout seul. I think we're about to have company. Putain, sérieusement? Putain, eh mais tu sais quoi? Gros, tu veux que je fasse quoi? Il est vivant l'autre, il est où? Ah, t'es là, putain, le mec. Allons voir s'il n'y a pas des munitions là-dessous. Ah, bah ouais, il y a du matos là en fait. Hop. C'est bien, il me suit toujours. Sorry. Faut passer par là. Je les entends, ils sont derrière les bâtards. Sorry, man. I'll stick around out here while you go check things out. Don't get too lost, huh? Ok. Cadeau. Oh. Ah, ça pète bien, hein. Ça pète super bien. Ah là, on va être bien là. Ah, on est bien, on est bien, on est bien. Ouais, ça pue du cul ça. Anybody's gonna believe all this? Même c'est que je sais pas où ils sont tous les autres là. De
deux petits coups de latte bien placés. Je fais un petit peu de nettoyage. Pourquoi, c'est quoi l'intérêt de passer par là? Peut-être pour... je vais tester, je sais pas. Je peux pas ouvrir. Bon. Je vais tester. Peut-être pour passer incognito. Je suppose. On va bien voir. Bah tiens. Salut du gland. T'étais encore caché là-haut. Oh. Ah ça c'est Vislar ça. Ok. Et je dois aller de ce côté là. Donc il faut que je fasse venir un truc ici. Ok. Je vois le bail. Je vois le bail. Alors. Un peu trop loin. Encore un peu trop loin. Non, non, je suis bon. Ouais. Ouais, non, un chouï en arrière. Là, ça devrait le faire. Ouais, on va dire que c'est bon. Hop, comme ça j'ai pas à me tout me retaper. Mine de rien, c'est pas con. Au cas où, n'est jamais trop prudent. Salut toi. Je sais pas ce que ça fait, ça se trouve c'est pour enlever un truc de gaz, je pense. T'es en haut. Pas des chances. C'est là que ça se passe. Hop. Là il devait y avoir un truc de vapeur en fait. Ta gueule. Good heavens! You gave me quite a scare! Don't count on the cavalry finding us down here, Doc. We gotta head for the surface. But with all the elevators out of order... We can still climb. Ah là, ça c'est mieux. My apologies. Où sont les autres?
Allez, viens, Marcel. Let's get the hell out of here. I'm not going anywhere. Okay, let's go for it. On se casse d'ici. Allez, les gars. Faut qu'on aille retrouver la meuf aussi. La scientifique en bas. Maybe. Right behind you, buddy. Ow! Bien, wesh. Coucou. Enfoiré de merde. Quel connard. Freeze! Couche à la niche. There's no way I can make that jump across that shaft. I failed physical education. Okay, guess that means I'm playing babysitter. C'est parti. Ah. I can't hold on much longer. Sérieux? Tu veux que je vienne te décorer? Pas t'aider mon gars. Ah si, je peux. Hop. Ah, c'est triste. Ouh. What? Oh, oui, d'accord. Ah ouais. Passer par là ou bien? Ah ouais. Je peux passer par là. Et là du coup je vais pouvoir descendre et ramener les autres. Enfin je pense. Pas. For God's sake, open the silo doors. They're coming for us. It's our only way out. Oh my God, we're doomed. Sérieusement? J'ai eu peur, je croyais qu'il y avait une bestiole qui était sortie. Oh non, pas ça. Ah ouais, du mauvais côté. Sérieusement? Pas récupérer des morceaux de trucs là. Et ouais. Bon.
important de tout, c'est de savoir viser. Non? Ok. What? Allez, d'accord, ça active la tourelle derrière. Lol. Ça va péter. Ouf. Je ne vous en veux pas. Qu'est-ce qu'il faut que je trace? On trace. Ah non, elle a pété. Ok. Couché. Connard. Hein. Ah, ça c'est une mine. Le tour, il y a peut-être du matos là. Bah, y a rien. Non, je veux pas. Et là-bas. Y a quelque chose là-bas? Non. Ah ah! Je viens. Non. Connard de merde. Essayer de me baiser. Ah ouais, c'est bon ça. Je veux passer par là. Donc, on fait demi-tour. Et voilà, problème réglé. J'aime pas ces endroits là. Là tiens. Heureusement que j'avais de l'armure, parce que là, franchement, j'étais mal. C'est guet-apens, quoi, sérieux. Ah. Ah ouais, on est en mode half-life là. Ah
Lol. C'est pour moi que je mets là. Careful, don't cross the beams. Oups. C'est fini pour ma vie. Il fallait bien que ça m'arrive un jour. Ah, c'est bien. Je repars de là. Wouhou! Careful, don't cross the beams. Ah, c'est violent. Ok, en fait, faut que je les esquive. Je peux pas les prendre les juquets et tout. Sauf si je sors la grenade. Si je larguais la grenade. Ah, j'ai fait les mecs aussi. Ok, ok. Ok. Careful, don't cross the beams. Non, ils s'arrachent. Oh, ils sont trop cons. Mais lol. Ils sont trop cons. Bon, on s'en fout. Hop. Ah, c'est beau ça. On va passer par là. Ça sent quand même pas bon. Ok. Oh, rescued at last. Thank God you're here. Non, 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 il est con. Je tue mes potes en plus. Pas de problème. Je tue mes potes, tu t'exploses la race. Oh oui, c'est beau ça. Ça, ça le fait. Ah, ça c'est lance-grenade, d'accord. Oh, des grenades. J'en doutais. Dans Opposing Force, en fait, on incarne un de ces soldats-là.
Allez, venez me niquer maintenant, venez me niquer. Vous en attendez, bande de putes. Allez, allez. Aïe. C'est ça, hop, voilà, on va se mettre comme ça. Ça pue du huc en fait, ça pue vraiment. Ah oh. Saloperie de merde. Ce jeu est... Putain, t'as vu où je suis? Putain, si j'avais été emmerdé là, j'aurais pas été bien. Plein dans les tourelles là. Ça aurait été violent. Ça pique. Thank you.
pas plus mal, j'ai envie de dire. Vous allez crever, les gars, allez pas trop vite. Ah, tiens. Allez. What? Fine, merde. Demandez, t'inquiète, je t'en mets des balles dans la tête, y'a pas de problème. Y'a qu'à demander, c'est gratos. Distribution Bruno. Foire, merde. Bande de pute. Excusez-moi, vulgarité. Ou pas. De toute façon, ça fait partie du game, hein, comme on dit. Un petit guet-apens là, dès que tu voles et prends le truc, tu fonces et voilà, tu te fais baiser. Tu vas aller te prendre du soin, tu te fais bouffer. Allez, genre, il y en a partout. Elle est trop lourde. Voilà, ça c'est fait. Je t'ai couché? Ah, dis-moi. Oh, une merde. Oh, super un pompe, c'est bon ça. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas là. Je sens pas des masses. Une grosse musique épique là. Ça, c'est la
grosse phase de gunfight là. Casse. Ah, t'abuses. C'était bientôt fini là, le pilonnage. Ok, il y en a encore. Ah, le mec, il est encore là-bas, quoi. Ah ouais, d'accord. Comprendre le bail. Enculé. Là les raclures. Je suis obligé de descendre quoi. Oh, ça pique. Ah, enculé de leur race. Ah, il est là. Ça reste là-bas. Bâtard, enculé.
vais me mettre un endroit plutôt tranquille. Ok. Et ben, je pense que sur ce. Ah. Là, on s'occupe d'eux. Voilà. Bon, sur ce, on va se quitter ici. Ça me paraît pas mal, hein, une zone safe. On va sauvegarder. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez... normalement, demain, je recommencerai peut-être le même. Ou alors, j'irai peut-être sur un autre jeu. J'irai bien. Voilà, je vous dis... Oh ! Bah alors... Il y en avait encore un. Ah ouais, il n'y en a pas qu'un en fait. Bon, ce coup-ci, ça devrait être la bonne. Voilà. Et voilà. Bon allez. Ce coup-ci, je vous laisse là. Je vous dis à demain soir, entre, allez, 18-21h, 19-21-30. Je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine.